Bonjour, je m'appelle Nick Zanoz. Alors vraiment, je passe une journée super, j'ai découvert ce marché de créateurs. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je fais de la lithothérapie, qui consiste au pouvoir des pierres sur le corps humain. Donc on va travailler sur tout ce qui peut être les pierres les plus connues pour le stress, le sommeil et pour tout ce qui peut être défense immunitaire. Voilà. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Élise, j'habite à Olivet et je me suis lancée dans la résine époxy. Donc voilà, je fais plein d'objets, des marque-pages, des petits vases, plein de choses et il faut que tout soit vendu ce soir. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Florence, moi je fais des créations de sacs en simili-cuir, en sac imperméable, et puis du crochet, sac crochet, et puis des petits doudous pour enfants en crochet. Voilà. Bonjour, je m'appelle Émilie, donc j'ai une société, enfin une micro-entreprise qui fait tout ce qui est création, papier, tissu. Donc je fais de la déco, je fais des fleurs en papier, des cadres. Voilà, merci. Salut la tortue magique. Bonjour. Bonjour, donc je suis Jean-Pierre, représentant de l'association Haïti Soleil d'Espérance. Nous soutenons les clubs d'enfants non scolarisés à Haïti. Donc nous proposons de l'artisanat divers et varié en provenance d'Haïti et en cercle vertueux pour renvoyer l'argent pour l'association qui soutient les clubs, qui sont gérés par les Haïtiens eux-mêmes. Moi je m'appelle Quentin, je suis photographe. Voilà, je développe le lieu avec Annie et François de la Tortue Magique. Je m'occupe de toute la partie photographie au Tortue Magique Studio. Donc voilà, je fais des portraits de famille, reportage mariage et photos d'identité. Et le but c'est de pouvoir créer des projets avec les gens de Chevilly et des alentours sur la photographie. Bonjour, alors moi c'est Émilie. J'ai créé ma micro-entreprise il y a un an et demi au nom de Au Boucle 45. Donc je crée des bijoux essentiellement en pâte polymère et en résine aussi. Et je suis un peu une touche à tout, je fais du crochet, du tricot, plein de choses artisanales en fait. Et je suis de Châteauneuf-sur-Loire. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai créé mon entreprise Maison d'Ankara, aussi des créations en tissu, donc des accessoires comme des sacs et des trousses. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis créatrice de macramé et voilà, je fais plein de choses pour la maison, de la décoration, pour les enfants, les adultes et avec des cordes françaises et recyclées. Mesdames de l'organisation, comment ça se passe ? Ah ben on a plein de projets merveilleux. On a plein de projets pour la suite. Merveilleux même. Un atelier. C'est très bien, c'est très joli, il y a beaucoup de choses et c'est fait main. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis créatrice bijoux fantasy avec des fleurs séchées. Bonjour, alors je m'appelle Karine, je suis la créatrice de Créa Bougie. Du coup, je fais des bougies parfumées. Je fais mes propres contenants en gelsmonite, hein, qui est une résine naturelle. Chaque contenant a un parfum bien déterminé. Et je fais également des bougies personnalisées pour tout événement. Bonjour, je m'appelle Solène, donc la marque Solci. Et je couds notamment des vêtements pour bébés, pour enfants. Je conçois les patrons, donc je fais des vêtements plutôt évolutifs et j'utilise du tissu bio parce que ce que je veux c'est des vêtements de qualité qui durent le plus longtemps possible, donc plusieurs tailles si possible pour les bébés et les enfants. Et je fais également des vêtements femmes, notamment des jupes qui sont confortables et pratiques avec des grandes poches. Bonjour, je m'appelle Melvin, j'ai un food truck qui s'appelle Césarine. Je suis installée sur Orient depuis peu de temps. Et je fais majoritairement du végétarien, tout fait maison, des produits frais, etc., etc., avec des salades d'été, de saison, etc. Voilà. Moi, je tiens le bar.
Je m'appelle Cécile, je suis la société Silo Création et je fais de la personnalisation sur bois, sur bouteilles inox, sur les tasses, la gravure de verre. Je fais un peu de couture aussi. Et tout ça est personnalisable comme vous le souhaitez, selon vos goûts. Bonjour, donc pour moi c'est Nathalie. Donc j'ai ouvert il y a 2 mois seulement un petit atelier, le Cercle des Fleurs. Donc je fais des cercles en fleurs séchées que j'agrémente avec divers objets que je trouve à droite à gauche, des petites choses en verre, des petits pots originaux, voilà. Et du coup, je présente des articles, ben, ma foi, que je ne vois pas ailleurs, donc c'est sympa. Voilà, ça plaît beaucoup aux gens parce que c'est coloré et c'est surtout pas très cher parce que je tiens à garder un prix très raisonnable pour que ce soit accessible un petit peu à tout le monde. Voilà, donc je propose des prix entre 8 et 30 euros le grand maximum quand il y a beaucoup de travail sur les grands cercles. Voilà, et je fais également de la commande. Bonjour, je m'appelle Arnaud, c'est Celle Arnaud, donc je fais beaucoup de gravures sur tout support. Donc j'ai tout l'univers, plein de choses, et j'ai un site internet, Facebook, Instagram. Donc pas de soucis, vous pouvez venir me voir et je vous ferai une personnalisation à vous. Voilà, merci, au revoir. Bah, j'ai découvert le lieu de manière impromptue et franchement c'est génial, je vous conseille de venir. Bonjour, moi je suis Condé Tigidanke, créatrice de la marque Candel. Je suis en ce moment sur couveuse d'entreprise du PES 45 et je fais principalement des tenues en wax et des accessoires, des décorations pour la maison. Bonjour, je m'appelle Marc Gerge, je fais de la poterie céramique. C'est-à-dire que je fabrique des pièces autour, des pièces utilitaires de la vaisselle, que je recouvre d'un émail que je fabrique en mélangeant des roches, notamment des roches que je récupère dans des carrières, des roches volcaniques, des roches granitiques. Et suivant la terre, qu'elle contienne du fer ou pas, il y a des effets qui apparaissent différents. À peu près 3 modèles de superposition que je présente ici. Je tourne autour du bleu et du rouge. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, moi c'est Olivier, au jeu de clés à Sougy. Je fabrique les décapsuleurs en chaîne, aimantés, personnalisables et puis des jeux en bois. Et un plaisir d'être venu ici, belle découverte.